Pauline Diamant. À la rédaction, figurez-vous qu'on reçoit beaucoup de courriers. D'ailleurs, merci infiniment pour tous vos mails, vos lettres. Ça nous fait très plaisir. Même vos questions vidéo, on en enverra quelques-unes un peu plus tard. Et puis, on reçoit quelquefois aussi des lettres qui sont adressées donc, à Caroline Diamant. Les téléspectateurs ont envie d'avoir aussi vos bons conseils, de partager ces conseils d'amis. Donc, allons-y, c'est le courrier du cœur de Caroline Diamant. Jingle. Et donc, nous avons reçu une lettre d'Ingrid qui a 26 ans. Je lis la lettre à l'équipe. Alors, écoutez. Oui. Cela fait 3 ans que je vis une belle histoire d'amour avec mon mec. J'ai pris 4 à 5 kilos de trop et je les ai toujours eus. Depuis quelques temps, il m'en parle beaucoup et m'a même dit qu'il avait moins envie de me faire l'amour. Ça m'a fait beaucoup de peine, mais je l'aime. Qu'est-ce que je dois faire? Caroline Diamant, à vous la réponse. Alors attention, je ne sais pas si mes conseils, vous allez avoir envie de les suivre. Mais ça ne m'a pas m'empêché de vous les donner. Voilà. Hein. Alors ça, vous pouvez compter sur moi. Il y a deux choses. La première chose, c'est vous. Vous avez 4 à 5 kilos de trop. Si ça ne vous emmerde pas, eh bien j'ai envie de dire, il faut les garder. Si jamais ça vous pose un problème, vous les perdez. En aucun cas, ça n'a de rapport avec lui. Néanmoins, j'ai envie de vous dire qu'un garçon ou un homme... Je ne sais pas quel âge il a, j'imagine votre âge, qui dit à une femme, j'ai moins envie de te faire l'amour, je trouve ça extrêmement déchauffant. Mmh. Et moi, personnellement, ça, ce n'est qu'un avis, je ne me verrais pas de nouveau faire l'amour avec lui. Bon. Donc, la question est, continuez à manger de la pâte à tartiner, si vous êtes bien comme ça. Elle et sinon, vous montez sur votre cheval et vous quittez la région. Eh ben voilà. Peu importe, on n'est pas là pour convaincre Caroline Diamant, ce sont les conseils de Caroline. J'aurais dit la même chose. Et ben voilà, Caroline va y valide. Non, nous n'avons rien à dire. Ingrid a posé des questions à Caroline Diamant. Ce sont les conseils de Caroline. C'est elle qui a pris le risque. La pâte à tartiner, c'est la pâte à tartiner ou la porte. Allez, voilà, on est bien. Merci, continuez à envoyer évidemment vos courriers à Caroline Diamant à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Allez, si vous ne pouvez pas venir en plateau, vous pouvez donc aussi nous envoyer. André, il s'en remet pas. Oui, je crois que je dis. N'hésitez pas, André Manoukian.